Bonjour à tous. La bonne nouvelle en 2021, c'est que nous nous retrouvons au Parc de Parigny pour un rendez-vous sportif et convivial. Comme avant, grâce à la technologie, nous allons vous proposer une course et une marche audio-guidée. Alors, le principe de cette technique audio-guidée, c'est de vous encourager à prendre soin de vous tout le printemps et au mois de mai, vous ferez votre marche ou votre course, quelle que soit la distance que vous avez choisie, 5 ou 10 km. L'important pour nous, Courir pour Elle, c'est de vous donner un objectif sportif, une vision sur les prochains mois et de vous encourager à prendre soin de vous maintenir en bonne forme, en bonne santé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous inscrire à partir du 1er janvier à notre grand événement solidaire Courir pour Elle. Trois formats au choix, le dossard marche, le dossard course et le dossard suspendu. Ce troisième dossard permet à toutes les personnes qui veulent acheter d'autres dossards en plus de le faire pour celles qui n'ont pas les moyens et ceux de s'acheter un dossard. Alors, vous le savez, hein, les inscriptions Courir pour Elle, ça sert surtout à maintenir nos missions, le soutien des femmes en soins et la prévention du cancer par la promotion de l'activité physique. Donc chaque inscrit, chaque inscrite permet à ce que l'on continue nos missions et que l'on puisse toujours et encore nous mobiliser collectivement pour la cause de Courir pour Elle. Je vous montre comment ça marche. Venez avec moi. En vous inscrivant à ce format audio-guidé, vous permettez à Courir pour Elle de maintenir ses missions et pour vous de rester en forme. Une fois inscrit, vous allez recevoir un mail de confirmation pour télécharger l'application qui vous permettra en mai de prendre le départ, le jour et l'heure de votre choix et vivre cette expérience inédite 2021. Cette édition 2021 s'annonce innovante. Nous espérons très très vite voir vos photos pendant vos entraînements et surtout le jour de votre choix en mai pour prendre le départ à Paris de cette 12e édition. D'ores et déjà, bravo! Et merci pour votre engagement.